Alors, cette reprise, ça s'est bien passé? Parce que moi, je suis comme un fou, là. Donc, écoutez, bon, on est la veille au soir, les gars, mais chut, on dit pas. Ça reste entre nous. Si ça sort d'ici, je dirais que c'est vous. Bien, on va commencer tout simplement un point d'entrée. Là, ça fait trop de temps qu'on n'a pas tapé dans les billes, donc on va pas trop se prendre la tête au début. On va simplement mettre le point d'entrée, puis je vais faire une partie contre moi-même pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis bon, je vais vous commenter tout ça comme d'habitude, quoi. Allez, putain, on est tellement motivés, quoi, truc de fou. Donc écoutez, on est parti pour un quart d'heure, 20 minutes, on va voir ce que ça donne. On va bien se marrer. Allez, c'est parti. En plus, je connais plus le billard ici du coup. Les bandes sont neuves. Voyons. En général, c'est pas trop d'effet, je crois, quand les bandes sonnent. Ça commence. Ah oui, non, je le recommence parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. À Nice, au Beer Club de Nice, en fait, quand on commence une partie et que le gars, après le tirage à la bande, etc., quand le gars, il rate le point de départ, en général, on lui donne ce qu'on appelle une accordance. Donc, ça lui permet de jouer une fois de plus le point de départ. Ça, c'est une règle de chez nous, ça. Ouais, ça doit certainement exister ailleurs. Pas d'embrouille. Moi, je mets moins d'effet que tout à l'heure parce que je le sens pas. Oh oui ! Allez, c'est parti. Un point. Pas d'embrouille. Bah, je suis trop loin de cette jaune, donc je vais jouer la rouge. Je vais faire un point direct. On verra bien. Ok. Et de deux. Voyons. On va pas trop se compliquer la vie, hein. C'est notre première partie depuis un paquet de temps. Enfin, je dis ça, je tente un truc. On verra bien, on va rappeler la rouge en fait. Ouais. C'était pas mal dans l'esprit, hein. 3 points. Bon, c'était n'importe quoi évidemment. Déjà les embrouilles, 3 points. Quel enfer. Bon, il est dur ce point. Méga dur. Hein. Mais je vais quand même prendre l'option sur la jaune. Je devrais jouer la rouge, je pense. Non, c'est une connerie la jaune. Je vais avoir le contre et tout. Voyons. Bon, ouais, tant pis, je joue la rouge. Je pense que c'est. J'ai peur du trou. J'ai peur du couloir. Il est tellement énorme. Il est tellement énorme. Fais voir. Ah ouais, non. Ah mais je suis trop loin de la rouge. J'y vais au pif là. Je vais passer par la bande évidemment. Du coup, si je passe par la bande, je vais pas mettre trop d'effet. Sinon, je suis quasi sûr de prendre le couloir. Donc on y va sans effet. On verra bien. Normalement, avec la distance, je devrais perdre un peu. Donc ça devrait le faire, voyons, un petit peu de bas. Ouais, allez, on y va. Voilà, avec de l'effet, je l'aurais raté ce point. Bon, écoutez, c'est... J'ai l'impression que... Est-ce que ça va s'arranger? Je crois qu'on en est à 4, 4 points, un truc comme ça. Allez. Petite finesse sur la rouge. Tranquille. Il est bien ce billard, ça... Ça répond bien, hein. Allez, on va essayer un 90 degrés. Pas beaucoup de billes, comme ça je la ramène. Je vais essayer de prendre la grande bande là-bas au fond. Là. On va ramener cette jaune. Hein. Pourquoi pas. Ouais. Oh la vache. Putain, j'ai fait une espèce de courbe là. Ok, 4. Allez, pas de panique. C'est pas grave. Putain, il y a eu une courbe de ouf. Bizarre. Après, je vous l'ai dit, tapis neuf, billes neuves. Bah ben non, pas billes neuves, qu'est-ce que je raconte.
Allez, une bande, sans effet. Ok. Bon. Donc c'est raté. Ah, c'est un point magnifique pour les droitiers, ça. Allez, on y va. Direct. Bah, c'est raté, madame. Je suis désolé, man. Bon, c'est la reprise, hein. Commencez pas à juger. Bon, après tout, vous pouvez juger. Y a pas de souci. Vous le savez. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, attendez. Faut que je me concentre parce que là, j'ai l'impression que... Non, mais là, j'ai déconné, j'étais beaucoup trop bas. En plus, j'étais... Mais oui, n'importe quoi. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'était où, là? Reprise? Non. Je sais plus. J'ai joué avec la... Oui, j'ai joué avec la jeune. Truc de fou, hein, ce point. Ce point raté, pardon. Ce non-point, pardon. Allez, là, on se concentre maintenant. Ça suffit. Hein. Donc, un. Incroyable. Incroyable, ce point. 2. Mais qu'est-ce que je fais? Oh putain, quel enfer. 3. Attendez. Allez, on rappelle cette jeune. Putain, mais qu'est-ce que je recule? Qu'est-ce qui se passe? 4. Et ouais, je l'ai joué timidement en plus. Bon, bah écoutez. 4 points. Déjà les embrouilles. Je la joue grosse, hein, je suis désolé, man. Je devrais pas, mais... Je crois que ça n'a pas touché, en fait. 4 points. Allez, 4 points, reprise. Ok, man. Allez. Allez, coup direct. Tant pis pour la blanche. Elle devrait rentrer pas trop mal. Par ici, là. Je croyais, à mon avis. C'était à peu près... Bon, bref. Dans l'esprit, c'était ça. Alors là, on a un superbe coup des enfers à jouer, qui est assez rigolo. Qui a été présenté d'ailleurs par Pierre et Jérôme, pardon, sur la chaîne BCC. C'est ce truc-là, là, c'est le coulé sur bande. Et il est rigolo, ce point. Là, c'est plein de billes. Hein. Plein de billes sur la rouge et maximum d'effets à l'endroit où vous voulez aller. En fait, on fait un coulé sur la bande. Voilà, mais ça permet de rappeler surtout la 2. Mais bon, là, c'est très très mal exécuté. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Bon, écoutez, c'est la reprise, hein. C'est la reprise pour tout le monde. Allez, j'espère pas grand-chose de cette jeune. Oui, j'ai fait le point. Parce que je sais que, voilà. Mais c'est pas grave. Un point. Voilà. Allez, une bande. Placement sur la jeune, en espérant la déborder. Mais en espérant surtout faire le point. Attendez, je regarde quand même. Proximité sur la bande, on va y aller mollo au niveau de la quantité. Allez. Pas évident ce point, ils ont l'air simples ceux-là. Putain, mais qu'est-ce que ça glisse de ces morts, mais... Toujours chercher une excuse, ça, c'est primordial. J'ai pas fait de point avec la bille jaune? C'est incroyable ça. Allez, on y croit. Là, il faut simplement reculer. Donc, attaque bille basse, plein de billes blanches, et on envoie. Non, mais je vais pas rater le point, là. Oui, c'est bon. Bon, en tout cas, ça recule. Hein. Pas de doute là-dessus. Hein. Putain, la vache. Incroyable, ce billard. Allez, je suis mal placé sur la... Allez, je rappelle encore cette rouge. Attention, ça recule beaucoup. Attention. Ça recule beaucoup. Voilà, on se positionne ici pour reprendre la dominante des billes de mon côté, à gauche. Voilà. Ah, on n'est pas bien, là. Bon, on est encore loin des billes. Mais... Allez, non. Une petite fantaisie. Bon, ça recule beaucoup, apparemment. Une petite fantaisie, quand même.
qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce tapis? Ça déconne ou quoi? Oh, ce recul de billes! Bon, bah, 2 points. 2 points, c'est loose, hein. Ah! Espèce de pseudo point d'échelle. Ok. Voilà, je calcule l'arrivée de la jeune. Ah, vous le savez, hein, je vous renvoie au point d'échelle si vous le souhaitez. Et maintenant, je place mon paramètre de réglage. Attention, ça recule beaucoup. Attention, pas trop d'effet. Ça recule beaucoup. Ça recule beaucoup. Le paramètre de rentrée de billes, super. La puissance, super. Non, je suis très satisfait de ce point. Très satisfait de ce point. Attention, c'est un point qui est piégeux parce qu'on a envie de prendre peu de rouge pour la rentrée. Mais si on en prend peu, on rate le point. J'ai trop d'effet. Oh là là, c'est scandaleux. Ah, je me régale. Ah, c'est tellement jouissif de taper dans les billes. Bon, ben, point nul, hein. Nul, nul, nul. Mais qu'est-ce qu'on se marre. Moi, je me marre, en tout cas. Allez, alors là, un truc de fou. Je cherche un placement sur la rouge. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. Hein. C'est de la folie. Donc là, sans effet, quantité de billes. Mais bon, il n'y a pas la mesure. Il n'y a pas le point non plus. Dites-moi, plus sérieusement, les bandes, c'est un truc de ouf. Là, ça, j'ai l'impression que ça glisse beaucoup. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Allez, allez, on se reconcentre. J'aimerais bien essayer de regrouper les billes. On va essayer de le faire par la bande. On va essayer de regrouper un peu les billes quand même. Non, sérieux, le couloir? Non. Non, ça va. Putain. Oh, le mec, il a l'œil, quoi. Allez, encore par la bande. J'ai pas le choix, je suis masqué. Non, je vais pas le faire ici. Je vais le faire là. Bon, évidemment, c'est un point très difficile, ce que je tente. Mais bon, voilà quoi. Non, ça fait quoi? Ça fait 2 points. 2 points. Donc là, on va essayer de se placer sur la rouge. Putain, la vache! Qu'est-ce que je suis loin des billes! Bon, alors, mal placé, voilà. Bon, c'est pas grave. Écoutez, je propose un truc. Voilà, je reste à proximité de la rouge et on double la jeune. Je reste à proximité de la rouge, bravo. Et je double la jeune, voilà. Bon, alors là, c'est un bol infini ce qui se passe. Mais c'est pas si bien que ça, ça, parce qu'on est au centre du billard. Donc on y va, on va essayer de se rapprocher de l'ensemble. Oh la vache, qu'est-ce que je suis loin des billes. Ouf. Attendez, tout à l'heure, ça a donné un truc de fou tout à l'heure. Voyons. Un peu moins de... Ouais, non, mais si je mets moins de bas, je vais être trop fort après. Oui, voilà. Bon, pareil, ne le faites pas chez vous. Je voulais le contre sur ma bille, je l'ai eu. Et voilà le résultat, quoi. Donc, nul. Alors, évidemment, il faut jouer, je pense, la bande avant. Mais moi, je vais jouer, en fait, le contre. C'est-à-dire que... On va bousculer cette rouge. Ah, ouais, d'accord. Ok, super. Merci beaucoup, je n'ai même pas compté les points. Bon, on s'en fout un petit peu. J'ai dû en faire 1, 2, 3, allez, on va dire 3. Et reprise. Putain, mais Bijon, c'est une catastrophe. Ok, allez. Allez, rétro direct, tranquille. Ok. Je sais pas, j'ai dû faucher, bouger, je suppose. Alors là, j'ai tenu compte, voilà, du glissement. J'en ai tenu compte. Et là, ça marche. Allez, allez, voyons. Voilà, là, je calcule mon 90 degrés, j'arrive ici, incidence réflexion. Bon, bah, il faut que je mette de l'effet pour faire le point. C'est pour ça que je regarde, en fait, ici. Voilà, je fais mon 45. Il faut de l'effet pour faire le point, donc allons-y. Quantité de billes, un petit peu d'effet, un petit peu de bas. On en voit. Ouais, non, nul, là, rouge, là. Putain, mais ça glisse, en fait. Mais ça glisse grave sur les bandes, là. Toujours la bonne excuse, toujours.
Important ça au billard français. Hein. Toujours trouver une bonne excuse, c'est jamais la faute du joueur. Oh ok. Deux points. Jamais la faute du joueur. C'est toujours un problème matériel, de conditions, il fait trop chaud, trop humide, les billes sont sales, le bleu est dégueulasse. Bon, vous connaissez la chanson, quoi. Évidemment. Non, je viens de jouer là. Donc c'est à la jeune de jouer. Allez. Voyons, qu'est-ce que je peux obtenir? Ah oui, allez, placement sur la rouge. Pour un rappel en... Oh la vache. Ah, c'était ça, mais beaucoup plus... Moins loin, quoi. Pour rappeler comme ça, en fait. La vache. Qu'est-ce que je suis loin de cette rouge. Allez, deux points. Allez, on se concentre, là. Un peu de sérieux, quand même. Tout de même, tout de même. Moi, on est tellement content en même temps, de taper dans les billes. Incroyable, hein. Incroyable. Tellement fou. Tellement... Alors, attention. Parce que ce point-là, moi... Vous voyez, par la bande, là, il me faut beaucoup d'effet si je veux faire le point. Il ne faut pas que je touche la rouge à l'aller, mais il faut que je passe vraiment très proche. Mais quel taré, quoi. Quand la puissance de ouf. Voilà, on voit, hein, on voit qu'on n'a plus du tout la notion de puissance sur les petits points. Hein. Là, il va falloir s'y remettre. Hein. Attention, tout à l'heure, j'ai beaucoup vrillé. Attention, donc j'en tiens compte. Du coup, je recule un peu plus. Oh non, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, c'est ma faute. Hein. Là, j'ai ripé. Tu arbitres ? C'est libre. Allez. Alors, si c'est libre, j'y vais comme ça. Attention, ça a beaucoup tourné tout à l'heure. Le point n'est pas fait. J'en ai fait combien avec la jeune ? Je sais pas, moi, les deux. La reprise. Allez, ça n'a pas touché, donc on continue, évidemment. Alors, on espère enchaîner quelques points rigolos. On l'espère, évidemment. Allez, on rappelle cette blanche en trois bandes. Non, mais comme j'escagasse tout, c'est incroyable. Allez, ça va toujours. Allez, couler par la bande. C'est, voilà, blanche. Je vais chercher la bande, ouais, bon, enfin bref, voilà. L'idée ici était de ne pas se masquer. C'est arrivé, libre, n'est-ce pas? Allez, déconne pas. Hein. Bah, j'ai pas touché la rouge. Ah, c'est terrible, hein? C'est terrible, c'est terrible. Allez! Alors, américaine à droite, qu'est-ce qui est concernant? Allez, on entraîne cette bille jeune. Voilà. Et puis, je vais décider de traverser tout de suite. C'est horrible, hein? C'est terrible ce que je filme. Bon, écoutez, on va s'amuser parce que je vois que ce billard est complètement fou. Donc, je vais essayer de faire un massé détaché, là, comme ça. Comme si je jouais le point ici, en fait. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Je vais passer là, revenir et puis faire le point, évidemment. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Bon, ça n'a pas très bien marché parce que la jeune, elle n'a pas bougé, alors que j'aurais aimé qu'elle avance. Mais on joue toujours, évidemment, voilà, Frenchouille. Allez, là on se place sur la jeune, pas d'embrouille, et on rappelle tout ça. Allez, pas de masque, pas de masque. Non, il n'y aura pas de masque, la vache, encore, j'ai encore éjecté la rouge, comme c'est pas permis. Allez, on se positionne sur la jeune. On rappelle la jeune. Mais nom de Dieu! Puissance des coups. Allez, on se positionne sur la rouge, placement rouge. Pas du tout. Allez, on essaie de déborder l'enfant. Finesse rouge, finesse jaune. Voilà. Et là-dessus... Et là-dessus... Bah, je vais passer par la bande. Je n'ai pas le choix. Si je veux garder cette jaune. Ah là là. Allez. Placement jaune ou placement rouge.
Ah ben, ça sera ni l'un, ni l'autre. Merci. Ah. Non. Et là, voyons. Oui, mais pff, trop loin, quoi. Voilà, j'en étais sûr. Putain, là, ça veut dire que je bouge. Ou que je me suis relevé. Voilà, donc pas terrible, hein. Pas terrible, pas terrible. On continue ou... Putain, mais j'ai un doute affreux. Le joueur 1, c'est côté rouge ou côté vert? Je sais plus, je sais même plus ça. Putain, j'ai tout oublié, quoi. Alors, c'est ce joueur 1 de jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On rappelle cette John tout de suite? Un truc comme ça, hein. Ça peut être rigolo, ça. Voilà, très bien. Rétro sur la rouge, direct. Avec, et je double la jaune. Voilà. Putain, mais qu'est-ce que c'est fort. Regarde-moi cette rouge. Incroyable, ça. Allez, couler sur bande avec... et je double la jaune. Ça peut être très rigolo. Voilà, c'est un truc comme ça, là. Voilà. Et paf. Et bim. Allez, bille en paquet. Elle est où, l'embrouille, là? Putain, à gauche, en plus. Donc, il était beau, celui-là. Allez, on se concentre, là, s'il vous plaît. C'est mal barré, hein. Sauf si tu fais une entourloupe comme ça, là. Voilà. Et... voilà. Et... putain, c'est une catastrophe. En deux coups, j'ai tout fracasse. Putain. Pardon. Allez. Amorti jaune. Putain, je voulais amortir sur la jaune. Pour récupérer le tiers, bon... voilà. Voilà, très bien. Allez, je la double, cette jaune, parce que... Ben non, ne donne pas le point. Bravo la jeune. La blanche. Bon, la blanche a fait quelques points là quand même. On va dire 5 ou 6 points, je pense. Peut-être pas autant, remarque. Je ne sais pas. Allez, c'est la jeune de jouer. 1. 2. 3. Quatre. Cinq. Putain, l'écart de puissance entre deux points, c'est un truc. Six. Ça, c'est un truc, ça, c'est incroyable. Faut que je retrouve mon centre. Voilà. Sept. Faut que je retrouve le chevalet du centre. Sept. Je suis loin des billes, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est une reprise en même temps. Calmons-nous. Hein. Allez, je vais passer dans le trou, histoire de me placer. Non, pas du tout. Du coup, là, je suis embêté. Mais c'est pas grave. Allez, on va sortir, évidemment, un coup de Trafalgar, hein, on le sait. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai bougé, là. C'est ma faute. Pourtant, je le sentais bien. En même temps, les piquets, je les sens toujours bien, moi. Allez, un point pour... on a dû en faire 4 ou 5, là, pour la jeune, peut-être. Allez, on va dire 5. Alors, qu'est-ce que ça dit? Non. Là, chaud. Du coup, on va se raviser et venir ici. Moi, on va caramboler de l'autre côté. Là, on va caramboler à droite de la jeune pour garder la rouge. Ok, là c'est les enfers. Mais on va y arriver. Attention, un beau finish pour vous. Voilà, moi je fais ça. La rouge elle fait ça. Bille en paquet dans le coin. Vous êtes prêts?
En tout cas, c'est ce que j'ai dans la tête. Attention, vous êtes prêts? On va bien se marrer. C'est parti! Bon, c'était presque ça. Hein. Bien. C'était la reprise. C'était une reprise évidemment chaotique, mais tellement content de retrouver l'ambiance billard, des billes, etc. Enfin, cette salle va retrouver un petit peu de monde, donc ça fait plaisir. J'espère que de votre côté, évidemment, vos billards et clubs respectifs, vous allez lancer, retrouver l'engouement. Il faut retrouver l'engouement, les gars, se motiver, car c'est hyper motivant, en fait. Et il suffit de... C'est un petit peu comme la piscine, les gars, au matin, vous savez, quand il faut y aller avant l'école, où il faut se lever à, je sais pas quoi, il faut se lever hyper tôt pour arriver à 7h15 dans la piscine. Et en fait, c'est à ce moment-là, à 7h15 dans la piscine, où là, on se dit, putain, j'ai bien fait de faire tous ces efforts. J'avais pas envie de me lever, ni de prendre ma douche, ni de me changer, d'avoir froid dans les vestiaires. Maintenant que je suis dans l'eau, je surkiffe. Je nage et je prends 3 quarts d'heure de kiff absolu. Eh bien, c'est exactement ce qui peut se passer dans vos esprits si vous n'avez pas envie d'aller dans vos salles de billard. Eh bien, allez-y quand même, nom de Dieu. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez taper dans la première bille, ça va être une putain de jouissance, vous ne pourrez plus vous en passer comme avant. Donc, pas de soucis, ça revient, tout revient de toute façon. C'est une question de... Voilà, il faut y aller. En tout cas, moi, je suis ultra motivé. Donc, on va se retrouver très bientôt pour plein de trucs, parce que j'ai des vidéos en rab. Et puis, je vous expliquerai bientôt les 4 ans. Je vous expliquerai tout ce qui s'est passé cette année, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà tout ça, quoi, le béco. On se retrouve très prochainement, évidemment. Allez.